Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé si j'ai un peu l'air fatigué, mais du coup, en fait, l'update était supposé sortir à 4h du mat, hein, on est d'accord. Et moi, comme un con, bah, je me suis dit, bah, je vais passer une nuit blanche pour attendre l'update. Bon, finalement, à 8h du mat, elle était toujours pas sortie. Alors oui, est-ce que je suis con? Oui, on peut en parler, effectivement. mais bref, du coup, j'avais envie un peu de parler, du coup, des armes qui ont été changées, etc. Donc déjà, premièrement, la S36, bon, normalement, là, on devrait plus forcément la voir, c'est plus du tout la méta, déjà, il y avait plus beaucoup de gens qui l'utilisaient, tellement elle se faisait trash talk. Et maintenant, ça va surtout être une méta de AR. Il y a la SM10 qui a été buff, j'ai utilisé un peu, elle a l'air vraiment pas mal. Après, je pense pas que ça sera une arme que j'utiliserai beaucoup, parce que, je sais pas, je l'aime pas du tout, le recul, il est un peu chelou. Et puis la gueule de l'arme, elle est dégueulasse, je suis désolé, mais voilà. Faut dire les choses comme elles sont. Par contre, je suis très content parce qu'ils ont amélioré la BK57, qui est mon arme préférée si vous savez pas. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont amélioré, parce que c'était déjà une bonne arme, je trouve. Après certes, elle n'était pas beaucoup utilisée, ça je sais même pas pourquoi elle n'était pas beaucoup utilisée. Je suis le seul limite en Europe à l'utiliser en compétitif, je sais pas pourquoi, alors que c'est une très bonne arme. Mais du coup là, elle va être beaucoup plus utilisée. L'AK-47 aussi, ils l'ont amélioré. Après, je sais, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je pourrais pas vous dire si elle est bonne ou pas. En plus, j'ai pas vraiment d'expérience avec. Mais déjà, logiquement, c'était déjà une bonne arme. Donc là, je pense que ça sera aussi, ça fera partie des meilleurs AR aussi du jeu. Après, ils ont apparemment nerf, donc baissé les stats de la MSMC. Mais voilà, mes collègues m'ont dit que quand ils l'ont utilisé, enfin, c'était toujours la même. Alors bon, moi ça me casse un peu les couilles parce que vous savez, en tant que joueur AR, l'arme que je déteste le plus, c'est évidemment la MSMC parce que, en corps à corps, tu peux absolument rien faire contre cette arme. Et là, du coup, bah, Skip, ils l'ont nerf, mais c'est toujours la même chose. Donc bon, après, c'est bien qu'ils ont amélioré les AR, comme ça, t'as un peu plus de chance quand même de te défendre. Donc ça va être très intéressant. Et en plus avec l'addition de la map Meltdown que vous voyez en arrière-plan là, c'est une map de BO2. Enfin, je crois que c'est BO2. Je suis pas sûr, je crois que c'est peut-être venu avant, je ne sais pas. Mais franchement, ça va être une très très bonne map, surtout en compétition, parce que logiquement, normalement, elle va être ajoutée en compétition pour la SND. C'était une map qui était pas mal jouée en SND sur BO2. Du coup voilà, ça va vraiment donner un peu plus de variété pour la compétition parce que toujours avoir que 3 maps, standoff, firing range et raid, ça devient un peu chiant à la fin. Donc bon voilà, je suis très content. Je crois qu'il y a des nouvelles armes aussi, ça j'ai pas vraiment vu. Enfin de toute façon je ferai une vidéo sur ça plus tard. Et sur ce, je vais aller commencer à stream. Donc si j'upload la vidéo avant, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, je suis sûrement en train de stream. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Demain, je vais uploader une vidéo et à demain du coup. Ciao! Nice work.